Hello, c'est Max Coach, ma sœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble si les chips et les cacahuètes, quoi les remplacer pour un apéro minceur. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Max Coach, ma sœur. J'ai connu ce que vous vivez en ce moment, car j'étais moi-même en surpoids. Et grâce à des conseils avisés d'un mentor, j'ai réussi à obtenir la meilleure forme de ma vie et perdre plus de 20 kilos. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mon histoire est facilement trouvable sur YouTube. Et maintenant, je coach plus d'une centaine de personnes chaque jour pour leur faire perdre 10 kilos en un mois. Donc, revenons-en maintenant aux chips. C'est aux cacahuètes, par quoi les remplacer pour un apéro minceur. Donc pour limiter les bombes de gras et de sel avant le repas, bien sûr je parle de tout ce qui est apéritif, je vous propose des alternatives plus saines mais tout aussi tentantes. Que serait un apéritif sans le grignotage addictif qui l'accompagne? Tristouné sans doute. Si les deux vont bien ensemble côté convivialité et gourmandise côté ligne, on va pas se le cacher, ça se gâte. La solution, c'est de trouver des alternatives qui apportent également du salé, mais pas trop, et du croustillant sous la dent. Alors n'hésitez pas à tester les bonnes propositions que je vais vous faire en tant qu'expert en micronutrition et en tant que fondateur du site fatatacoaching.info. Donc on va voir tout d'abord l'alternative à la chips. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une poignée de chips, donc 30 grammes, est égale à 150 calories. Outre le gras, donc 35 grammes de lipides pour 100 grammes, l'apport en sel explose complètement. De 1,8 grammes en moyenne pour 100 grammes et jusqu'à 3 grammes, soit la moitié des apports journaliers maximum recommandé. L'option la plus saine, c'est les chips de légumes. Donc pour 30 grammes, on a 30 calories. Vous voyez, 30 calories par rapport à 150 calories. Hein, c'est le jour et la nuit. Mais attention, pas celles que l'on achète dans le commerce, car elles sont souvent tout aussi grasses. Les faire maison permettent de diviser par 5 le nombre de calories en éliminant ou en réduisant tout bonnement la quantité d'huile. L'astuce est de découper finement à la mandoline les légumes, donc des betteraves, des carottes, des courgettes, et de les badigeonner rapidement chaque chips avec une lichette d'huile à appliquer avec un pinceau pour qu'elles puissent quand même dorer, donc croustiller. Il faut les saupoudrer bien entendu avec des épices, avec du paprika par exemple, et les enfourner sur une plaque pendant 15 minutes à 150 degrés. Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, l'alternative à la cacahuète. Poignée de 15 grammes de cacahuète qui vaut à 70 calories. Donc comme tout oléagineux, elle renferme des acides gras non saturés, bon pour la santé cardiovasculaire. Mais l'excès de sel, facteur de risque d'hypertension, gâche le tout. L'option la plus saine, c'est de prendre du popcorn, donc 15 grammes égale 10 calories. Bien sûr, à condition d'opter pour un popcorn nature, éventuellement épicé, mais dénué de sucre et de sel. Son atout, c'est qu'on retrouve le côté croquant des cacahuètes que l'on aime tant, mais sans les inconvénients. Et pas de frustration, car le maïs soufflé fait illusion. 100 grammes, ça remplit un énorme saladier. Donc maintenant, nous allons voir l'alternative aux saucissons. C'est une astuce facile et légère. Il faut savoir, c'est 33 tranches de saucisson, c'est égal à 300 calories. Donc c'est plus de 30% de matière grasse, avec en plus des colorants que l'on retrouve dans ce produit non artisanaux. Une belle teneur en fer néanmoins, mais qui ne doit pas être un alibi pour se lâcher. Donc l'option la plus saine, c'est le blanc de poulet ou de dinde, 40 calories par tranche. Roulez chaque tranche, puis découpez-les façon petit tronçon. Maintenez-les avec un cure-dent. Vous pouvez aussi les garnir avec un peu de fromage frais et des herbes. Autre bonne option, la viande de grison. C'est en effet la charcuterie qui renferme le moins de gras délétère pour les artères. Donc maintenant, nous allons voir l'alternative pour les biscuits apéro. Donc 116 calories, à peu près les deux biscuits de 15 grammes. Mini pizza ou triangle alimentaire. Dommage, mais il n'y a pas de variété moins calorique qu'une autre. Et le duo gras celle qui les compose est addictif à soif et donne envie de se resservir un verre d'alcool qui est riche en sucre. L'option la plus saine, c'est les tortillas au blé complet, seulement 28 calories les deux unités. Donc frottez-les avec de l'ail et saupoudrez-les d'épices avant de les faire dorer à la poêle et au four. Servez-les chauds, découpés en triangles que vous pourrez tremper dans du yaourt au concombre ou aromatiser aux épices. Une grande tortilla permet de faire environ 8 triangles pour un apport de seulement 133 calories et elle contient en prime fibres rassasiantes. Donc nous allons voir l'alternative aux fruits secs et confits. Donc une poignée 30 grammes de mélange de fruits secs et confits équivaut à 130 calories. Ce snack est souvent considéré comme plus sain, or c'est un faux ami, car ce type de mélange renferme le trio infernal gras, sucre et sel. Nos cellules graisseuses raffolent. L'option la plus saine, c'est une mélange de graines de courge, tournesol, grillé, mais non salé. 30 grammes, seulement 196 calories. Donc bien sûr, on ne réduit pas les calories, mais on gagne en qualité, du bon gras et en rassasiement. Cette option zéro sucre est aussi plus digeste. Préserver la palette de texture, de saveur et de plaisir, vous
pouvez les accompagner de verrines de gazpacho et fruits à coque concassés, de brochettes de légumes et fruits frais, donc melon, tomates, cerises, concombres ou grains de raisin. Donc maintenant, nous allons voir les alternatives aux olives vertes. Et oui, 10 olives vertes égale 150 calories. Plus riches en eau, elles sont donc moins caloriques que les noires. Si on les choisit fraîches, sans qu'elles baignent dans l'huile, on réduit les calories de plus de la moitié. L'option la plus saine, ce sont les cornichons, avec seulement 50 calories les 10. Mais on les passe sous l'eau afin de retirer l'excès de sel. Préférez une marque artisanale ou optez pour les pickles maison. Pour deux personnes, faites bouillir deux verres d'eau, ajoutez un verre de sucre, un verre de vinaigre, une pincée de sel, 150 g de légumes bio coupés en rondelles. Plongez le tout dans un bocal, recouvrez avec le liquide de cuisson, fermez et laissez mariner deux jours dans un lieu frais à l'abri de la lumière. Voilà, nous avons vu par quoi remplacer les chips et les cacahuètes dans un apéro minceur. J'espère que cela vous a plu et vous a appris des choses. Donc je sais que c'est des périodes un peu difficiles, on est tous plus ou moins confinés puisqu'il y a la télétravail plus ou moins obligatoire pour certaines personnes. Il y a le couvre-feu en ce moment dans certaines villes. Mais n'hésitez pas à faire de temps en temps des apéros avec votre chérie. Ça vous permettra d'égayer un petit peu la journée. N'oubliez pas que sur mon site fatatacoaching.info, je vous donne un livret totalement gratuit qui vous permet de maigrir dès aujourd'hui. À me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.